Je supporte pas quand les marques se mettent au greenwashing, vous savez, quand elles font des trucs bien. Intermarché, ils ont fait ça aussi. Intermarché, ils ont une flotte énorme de bateaux-usines qui raclent la mer depuis des années en la vidant de ces poissons. Mais là, ils se sont engagés. Ils ont dit, en 2025, on arrête. Bon, il n'y aura plus de poissons, donc on arrête. Voilà, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, on est sûr, on s'engage. Hein. Voilà, on est à fond. Hein. Alors, en général, je supporte pas quand les marques essayent d'avoir l'air gentilles. Les marques sont là pour faire de l'argent. Faut arrêter. Hein, Michel et Augustin. Mais je pourrais les tuer de mes mains, Michel et Augustin. L'un après l'autre. Hein, le... Ils sont là avec leurs affiches dans le métro. Là, ah, on est les trépillants du goût. Nanana. Avec leurs petits gribouillis et leurs photos collées dessus. Ah, on fait des bons gâteaux avec nos gentils collaborateurs. Nanana. Mais parle-moi comme un adulte, connard. Pas comme un enfant de 3 ans. Hein, ils sont là, ouais, nos gâteaux, le secret, c'est l'amour qu'on met dedans. Tu sais quoi, moi je pense qu'ils se branlent dans leurs cookies, Michel Augustin. L'amour, trop gentil pour être honnête, trop gentil pour être honnête. Je vais dire même mieux, je pense qu'ils baissent des gens dans leur cave, Michel Augustin, tu vois. En mode Pulp Fiction, tu vois. C'est déjà, et maintenant Michel va te sodomiser pendant que moi, Augustin, je vais te mettre des pépites de chocolat. On est les triplions du trou. Alors, vous savez qui les possède à 100% Michel et Augustin? Danone. Voilà, 50 millions de chiffre d'affaires par an. Alors ça m'étonnerait que le bilan comptable et le coloris en faisant attention à pas dépasser. Nanana. Non mais si. Ça m'énerve. C'est comme le jus de fruits innocent. Mais innocent, c'est déjà un aveu de culpabilité, en fait. Avec la petite auréole. Vous savez qui les possède à 100% innocent? Coca-Cola. Ah oh. Bah tout de suite, l'auréole ressemble beaucoup plus à un anus. Hein? Ouais.